Dans la banlieue de Winston-Salem, les gens entendaient parler d'un type, John Lawson, qui se faisait appeler Pazuzu. Je leur ai dit, vous allez me prendre pour une dingue, mais je crois que le père de mon fils est enterré dans le jardin d'un type. Même ça, on a tué un mec, on lui a tiré une balle dans la tête. C'est comme ça que je sais qu'il y a eu un cadavre dans le jardin. Ça fait des mois que j'entends parler de Displate partout, tous les youtubeurs que j'adore parlent de Displate, et il y a quelques temps je me suis dit il faut que j'en achète, et Displate m'a envoyé un mail, et j'ai dit oui. Un Displate c'est quoi? Bah c'est un super moyen de repimper votre chambre, votre salle de bain, et ça, à moindre coût. Si vous ne savez pas planter un clou, ou que par exemple, vous n'avez pas trop envie d'abîmer vos murs parce que votre proprio est super sévère, choisissez Displate. Un Displate c'est une impression, donc de très haute qualité, sur métal, que vous pouvez accrocher à votre mur à l'aide d'un aimant. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que vous pouvez changer votre Displate quand vous le souhaitez. Vous pouvez changer la plaque quand vous le souhaitez. J'ai vraiment eu l'embarras du choix quand je me suis rendue sur le site et j'ai été surtout super surprise, mais agréablement surprise, de constater qu'il y avait des plaques Norman Rockwell. Les designs sont vraiment variés, de posters de films à design à inspiration japonaise. Et bien sûr, pour les grands fans, vous trouverez des Displates sous licence officielle Bethesda, Star Wars, Marvel, et tout un tas d'autres. Et nous, on aime les bonnes actions ici. Sachez que pour tout Displate acheté, un arbre est planté sur le continent africain. Au moment où je vous parle, plus de 16 millions d'arbres ont déjà été plantés sur le continent africain grâce à Displate. Et ça, c'est super cool. Si vous cliquez dans le lien qui sera dans la barre d'infos, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 23% si vous achetez une ou deux Displates, et jusqu'à 27% de réduction si vous achetez 3 Displates ou plus. C'est super pratique, c'est super facile, même un enfant de 2 ans peut le faire. En plus, si vous avez une super réduction, tout sera dans la barre d'infos. Le 12 août 1978, Cynthia Lawson donne naissance à un petit garçon. Un petit garçon vraiment très mignon. Hein. Il a les cheveux blonds, il a les yeux bleus. C'est un peu le bébé idéal. Hein. Il a un beau visage et elle décide de l'appeler John Alexander. Elle est vraiment comblée. Hein. Un peu comme Marie à la naissance de Jésus, Cynthia observe son tout petit bébé sans imaginer qu'il accomplira des choses extraordinaires. Mais pas au nom de Dieu, au nom du diable. Bonjour à tous, ici Liv. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit garçon angélique qui est devenu l'un des individus les plus dérangés du 21e siècle, au point de changer son identité, son nom, pour incarner pleinement son rôle de fils du diable. J'ai nommé Pazuzu Algarad. Je sais que vous êtes heureux, en tout cas certains d'entre vous, qui m'ont demandé à plusieurs reprises de parler de cette affaire. Avant que je ne commence la vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à vous installer bien confortablement, car vous en aurez besoin pour cette vidéo. Prenez également quelque chose à manger ou quelque chose à boire si vous le souhaitez. On ne perd pas de temps, let's go to the video. L'enfance de John Alexander, ou Pazuzu Algarad, appelons-le d'abord John Alexander, a été un peu plus ordinaire que les enfances de plusieurs criminels et tueurs en série qui ont été maltraités, qui ont été abusés. On va dire qu'il a vécu une enfance plus ou moins paisible, avec quelques vagues quand même dont je vais vous parler. Cynthia et Timothy D. Lawson se sont mariés 7 ans avant la naissance de leur petit garçon. Hein. Et leur petit garçon, donc John Alexander, a vécu une grande partie de son enfance dans le comté de Forsyth en Caroline du Nord. Donc un état américain qui est plutôt chill, plutôt paisible, parfois un petit peu rural aussi. Donc un endroit assez cool pour grandir, même s'il n'y s'y passe pas grand chose. Finalement, le premier drame dans la vie de John Alexander a lieu en 1990, au moment où ses parents divorcent. C'est le drame pour lui, c'est le drame pour un grand nombre d'enfants, hein, dont les parents divorcent. Ce n'est pas une situation compliquée, mais lui, il le vit encore plus mal que la plupart des enfants parce que son père quitte tout à fait la Caroline du Nord pour aller vivre en Californie. Pour lui, le divorce, c'est vraiment le divorce. Hein. Donc il tourne le dos finalement à son fils, qu'il aurait pu voir en garde alternée pour aller vivre sa vie en Californie.
Et cette séparation brutale et soudaine a beaucoup, beaucoup affecté le petit garçon. Sa mère, Cynthia, elle, l'a un petit peu mieux vécu. 8 ans plus tard, elle s'est remariée avec un certain Johnny Larry James. Et le couple a acheté une petite maison à Salem, en Caroline du Nord. Et l'adresse, retenez-la bien, était le 2749 North Hill Drive. J'ai l'impression que quand il y a le nom de Salem dans une ville, ce n'est jamais une bonne idée. Quand il était enfant, le petit John, que tout le monde surnommait Johnny, était assez petit, très petit, même plus petit que les autres enfants de son âge, assez mince. Voilà, c'était une petite brindille, on va dire, hein. Un garçon qui était considéré comme assez gentil aussi par la plupart des gens qui le connaissaient, mais un petit peu trop émotif, un petit peu trop sensible. Il était toujours un petit peu trop quelque chose. Paradoxalement, il adorait les films d'horreur comme The Exorcist, qui était son film d'horreur préféré, hein. Mais très jeune, il présentait déjà des signes très inquiétants, parfois des crises de colère, parfois aussi il maltraitait des petits animaux, voire tuait des petits animaux. C'est quelque chose quand même à retenir. Et quand il avait environ 8 ans, après qu'il se soit montré assez agressif avec sa mère à plusieurs reprises, on l'a diagnostiqué avec plusieurs troubles comme la schizophrénie et l'agoraphobie, qui faisait qu'il ne pouvait pas sortir de chez lui, ou en tout cas qu'il avait des difficultés à sortir de chez lui et à se retrouver dans une foule. Malheureusement, tous ces troubles psychologiques n'ont jamais été pris en charge par manque de moyens. En tout cas, plus il grandissait, plus les rapports entre John Alexander et Cynthia s'empiraient. Vraiment, ils ne se comprenaient pas, ils ne s'entendaient pas, mais c'est aussi parce que Cynthia était parfois une mère un petit peu irresponsable, qui sortait de la maison tard le soir pour aller retrouver des hommes, qui emmenait des hommes à la maison régulièrement. Des hommes tous différents, bien sûr. Et donc, la mère et le fils avaient beaucoup de mal à s'entendre. On sait également à cet âge-là qu'il prenait un traitement, peut-être, contre la schizophrénie, contre l'agoraphobie également, mais lequel je ne le sais pas. En tout cas, c'est au moment où il décide de quitter le lycée qu'il s'engage sur une pente glissante qui va mener à toutes les dérives imaginables. On est en 2002, John Alexander a quitté le lycée. On imagine aussi qu'à ce moment-là, il a arrêté de prendre ses médicaments. De ce que j'ai compris, il n'aimait pas prendre ses médicaments parce que, selon lui, il se sentait un peu comme un zombie. Voilà, il n'avait pas les idées claires quand il prenait ses médicaments. Il se sentait un petit peu foggy, comme on dirait en anglais, donc vraiment dans le brouillard, quoi. Donc il n'aimait pas prendre des médicaments. Mais du coup, il s'est tourné vers la drogue pour pallier à son mal. Et là, vraiment, ça part en cacahuète, hein. En ligne, il commence à se créer une nouvelle identité. Il se fait appeler Pazuzu. Pazuzu qui est le roi des démons dans la mythologie mésopotamienne, qui est aussi le démon qui possède la petite Regan McNeil dans le film culte The Exorcist, qui était le film préféré de John Alexander. Et à partir de ce moment-là, il se déclare vraiment ouvertement sataniste. Mais il faut savoir que ce changement d'identité ne s'est pas fait seulement en ligne sur les réseaux sociaux. Il a vraiment légalement fait changer son nom pour Pazuzu Illa Algarad. Et là, en ligne, il a commencé à raconter une histoire, à se raconter une histoire, à se créer une histoire, disant que sa mère était une sataniste et que son père était un musulman d'origine irakienne, ce qui était totalement faux. Petit à petit, le visage de John s'est couvert de tatouages, mais son corps également. Il s'est fendu la langue en deux, donc il avait la langue coupée en son milieu. Il s'est limé les dents en des pointes acérées. Et puis surtout, à partir de ce moment-là, il a commencé à négliger énormément son hygiène. Parce que pour lui, la saleté était une forme de protection divine. Je cite, hein, selon lui, l'hygiène personnelle dépouillait le corps de ses défenses pour prévenir les infections et les maladies. Donc c'était un peu un gars comme ça. Mais surtout, à part ça, il parlait très souvent des choses horribles qu'il faisait, comme sacrifier des animaux, boire son propre sang ou boire du sang d'animaux. Et comme vous pouvez l'imaginer, ses amis ont commencé à s'éloigner de lui petit à petit. Il ne le comprenait absolument pas. Comment ce garçon qui était tout à fait ordinaire commence à prétendre qu'il peut contrôler le temps, que c'est un sataniste hardcore. Enfin, pour eux, c'était tout à fait incompréhensible. Mais surtout, en plus, il avait une hygiène déplorable, donc personne ne voulait plus le fréquenter. Et d'après ses anciens camarades, son intérêt pour le satanisme a grandi quand il a commencé à se droguer. Bon, c'est... on peut le comprendre, hein. Il faut savoir qu'il était fidèle de l'église de Satan, mais qu'il a commencé à trouver cette église un petit peu trop soft pour lui. Et il a commencé à s'adonner à des rituels sataniques beaucoup plus violents. «
J'ai l'impression que Pazuzu considérait l'église de Satan comme un petit peu trop faible, un petit peu trop soft pour lui, et que donc il était plus facile pour lui de créer son propre culte à son image. Culte qui avait son siège dans la maison du 2749 Nob Hill Drive, dont je vous ai parlé plus tôt. Cette maison appartenait donc à Cynthia, la mère de Pazuzu, et à son mari Johnny. Je suppose que Cynthia a dû quitter la maison avec son mari, qu'ils ont dû aller vivre dans une autre maison, peut-être en acheter une autre maison, et en laisser la maison de Nob Hill Drive à leur fils. Autant vous dire que cette maison, mais aussi Pazuzu, ont acquis très vite une notoriété terrifiante dans le quartier. D'abord, la maison se distinguait car elle était la seule dont la porte était peinte d'un noir de jais et sur laquelle étaient inscrits des symboles sataniques également. Donc personne n'avait envie d'aller offrir des gâteaux au propriétaire de la maison, un peu comme Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives. Personne n'avait envie de faire ça, vraiment. Et non seulement l'extérieur de la maison avait une apparence un petit peu délabrée, un petit peu sale, un petit peu satanique, mais l'extérieur de la maison était encore plus horrible. On parle d'une maison dont les murs étaient couverts de symboles sataniques, d'images sataniques en tout genre. Une maison dans laquelle on pouvait trouver des carcasses d'animaux, parfois encore dans des cages. Une maison qui sentait l'urine, qui sentait la transpiration, qui n'était bien sûr jamais rangée. Une maison aussi bien sûr qui sentait les excréments d'animaux puisque un grand nombre d'animaux étaient stockés dans cette maison pour être sacrifiés. Qu'est-ce qui se passait exactement dans cette maison? D'abord, la fête. C'est-à-dire que presque en permanence, un bruit sourd qui était insupportable pour les voisins, voilà, de la musique, du métal à fond toute la journée. Mais outre cela, Pazuzu avait un grand nombre d'habitudes assez inquiétantes. Comme je vous l'ai dit déjà, il ne se lavait pas, donc son hygiène était assez déplorable. Mais en plus, il pratiquait des rituels sataniques très limites. Bon, je pense que la plupart des rituels sataniques sont limites, mais ceux-ci étaient vraiment très limites. Boire du sang d'animaux, boire parfois aussi le sang des membres de son culte, voilà, donc ils buvaient tous le sang de chacun, c'était un petit repas, un petit brunch, comme ça. Et puis aussi, souvent, ils n'hésitaient pas également à boire des fluides corporels, donc je suppose de l'urine, ce que je trouve assez dégueulasse. Et bien sûr, sinon ce n'est pas drôle, il y avait régulièrement des orgies sexuelles dans cette maison. Qui étaient les membres du culte de Pazuzu? Peut-on vraiment parler d'un culte? Pour moi, c'était une forme de culte sans en être un. Les gens qui vivaient chez Pazuzu étaient souvent des jeunes en pleine errance, parce qu'il faut savoir que la maison de Pazuzu était quand même située dans un quartier assez pauvre. Et donc elle est devenue tout simplement le repère de tous les petits délinquants, de tous les petits jeunes perdus qui savaient qu'ils pouvaient y faire ce qu'ils voulaient et qu'ils ne seraient jamais inquiétés. Il y avait constamment du monde dans cette maison, constamment de la musique. C'était vraiment l'horreur pour les voisins. Et pour Pazuzu, toutes ces personnes qui venaient chez lui et qui partaient de chez lui faisaient partie de sa secte, faisaient partie de son culte. Et je doute réellement que ces gens adhéraient réellement à une forme de culte. Pour eux, c'était simplement un moyen de ne pas être chez eux ou de ne pas être dans la rue, quoi. Quand même, le plus étrange, c'est que Pazuzu avait une femme. Il avait même deux femmes, Amber Birch et Crystal Matlock. Pour un homme qui sentait mauvais et qui ne se lavait jamais, ça donne de l'espoir à tout le monde, honnêtement. Mais ça, c'est apparemment parce qu'il avait un charisme fou, un charisme qui faisait que les gens lui faisaient confiance et que les gens, bah, tout simplement, étaient attirés par sa personnalité. Il faut savoir que la ville où vit Pazuzu à ce moment-là est à grande majorité blanche et à grande majorité chrétienne. Il est donc possible qu'une grande partie des motivations de Pazuzu était simplement de se rebeller contre l'ordre établi. Voilà, un peu comme un grand adolescent. D'après le journaliste Chad Nance, qui a aidé à la réalisation du documentaire The Devil You Know à propos de Pazuzu Algarad, Pazuzu avait tout fait pour se rendre effrayant aux yeux des habitants de la ville. Donc voilà, on a l'impression que c'était un peu un défi pour lui. Est-ce que vraiment il adhérait au satanisme, est-ce qu'il y croyait vraiment, ou est-ce que c'était pour lui une forme d'amusement? Et peut-être aussi une conséquence du coup de ses troubles psychologiques, comme je vous l'ai dit, il souffrait toujours de schizophrénie et d'agoraphobie à ce moment-là. Mais quand même, vous allez me dire, Olivia, pourquoi tu parles de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait de si horrible pour qu'elle mérite une vidéo? Eh bien, il faut savoir que Pazuzu a commencé à se montrer de plus en plus violent. Et pas seulement lui, mais aussi ses fiancés. D'abord, en 2010, un homme nommé Joseph Eric Chandler a été retrouvé mort près de la rivière Yadkin. Une rivière près de laquelle Pazuzu pratiquait apparemment des rituels sataniques. Est-ce qu'il est lié à ce meurtre? Ce n'est pas certain. En tout cas, il n'a jamais été inculpé pour ce meurtre.
Mais en 2011, Pazuzu est reconnu coupable d'un délit d'agression pour avoir tenté d'étrangler sa propre mère. La même année, Amber Birch, une de ses fiancées, est également reconnue coupable d'un délit d'agression pour avoir agressé la mère de Pazuzu. Et Cynthia a vraiment tout fait pour alerter les autorités à ce moment-là, disant que son fils était dangereux, disant qu'il pouvait commettre des actes horribles et qu'il fallait s'en méfier. Malheureusement, il n'avait pas vraiment de preuves contre lui, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Malgré tout, à partir de 2011, les autorités locales ont commencé à garder l'œil sur Pazuzu. Ils ont bien remarqué qu'il vivait dans un taudis, une maison qui faisait peur à tout le voisinage, et donc ils se sont dit peut-être qu'effectivement il cache quelque chose, on va garder un petit œil sur lui. C'est le 5 octobre 2014 que la chance a tourné pour Pazuzu Algarad, lorsqu'un mandat de perquisition a été émis contre lui par plusieurs autorités de Caroline du Nord. Ce qui est assez dingue. Et d'ailleurs, les fouilles ont mis à jour des tombes peu profondes dans l'arrière-cour qui contenaient des restes de squelettes. Et du coup, Pazuzu Illa Algarad, alors âgé de 35 ans, et sa femme autoproclamée Amber Nicole Birch, 24 ans, ont été arrêtés et accusés de meurtre et de complicité de meurtre. Et du coup, les victimes ont ensuite été identifiées comme étant deux hommes, Joshua Frederick Wetzler et Tommy Dean Welch. Wetzler avait été vu vivant pour la dernière fois en 2009 et avait été porté disparu en 2010. Et pour Welch, c'est la même chose, il avait été vu pour la dernière fois en 2009. Et le rapport d'enquête a conclu qu'Algarad avait tué Wetzler en juillet 2009 et que Birch avait aidé à enterrer son corps. Puis Birch aurait tué Welch en octobre 2009 et Algarad, à son tour, aurait aidé à l'enterrement. Alors qui étaient ces hommes? De ce que j'ai compris, c'était certainement des clients de Pazuzu, parce que Pazuzu était aussi un dealer de drogue. Alors est-ce qu'il y a eu un conflit d'intérêts? Est-ce qu'effectivement il n'avait pas payé Pazuzu par exemple? Et que donc le jeune homme aurait pu décider de se venger après? Les circonstances de leur mort ne sont pas très claires. Ces démêlés avec la justice depuis 2010 ont incité un juge à ordonner une évaluation de santé mentale pour Algarad. Et donc des psychiatres l'ont interrogé pour évaluer sa capacité à être jugé en tant que responsable de ses actes. Pendant ses interrogatoires, non seulement il avait une odeur assez pestilentielle, mais en plus il tremblait énormément, comme s'il était en train d'être sevré d'une drogue. Et du coup les psychiatres ont estimé que Pazuzu souffrait d'agoraphobie, de schizophrénie et également d'alcoolisme. Mais puisqu'il se soignait pour ses troubles, les psychiatres ont estimé qu'il était apte à être jugé. Après avoir été arrêté, Algarad, Birch et Matlock ont été détenus en prison. Algarad a été déplacé à la prison centrale de Raleigh en mai 2015 sous étroite surveillance en raison de ses problèmes de santé mentale. Le 28 octobre 2015, vers 3h du matin, Pazuzu est retrouvé inconscient dans sa cellule avec une blessure assez profonde au bras. Les tentatives de réanimation échouent et il est déclaré mort à 4h20 du matin ce jour-là. Les autorités ont déclaré qu'il était mort à la suite de la perte d'une grosse quantité de sang à cause d'une blessure au bras. Globalement, Pazuzu Algarad s'est suicidé dans sa cellule. En 2017, Birch et Matlock, donc les fiancés de Pazuzu, ont toutes les deux plaidé coupables pour leur rôle dans les deux meurtres. Et finalement, Algarad est mort sans que les familles de ses victimes présumées n'aient pu avoir aucune explication. Au moment de sa mort, les familles de Wetzler et Welch attendaient toujours une explication. Après son arrestation, la maison d'Algarad a été jugée impropre à l'habitation humaine et elle a été démolie en avril 2015. Une histoire assez triste pour toutes les victimes d'Algarad, mais une histoire assez triste également pour lui-même. Parce que selon moi, s'il avait été pris en charge quand il était bien plus jeune, peut-être qu'il n'aurait pas autant dérivé. C'est vrai que le système de santé américain est vraiment déplorable, honnêtement. On a beaucoup de chance en France de pouvoir se faire soigner même quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est une chance, hein, c'est une chance, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est une situation effectivement qui n'aurait peut-être pas eu lieu en France. Même si bon, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les tarifs des psychiatres, des psychologues, de tous les professionnels de la santé mentale sont parfois exorbitants. Vraiment. J'ai l'impression que dans un grand nombre de cas, ils ne sont pas remboursés. Bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, mes très chers, j'attendrai vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous également à la chaîne pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.